cause Alina made me slime. All I got the pounds of fucking bitches off a pine. And I know my wrist is sloppy, everything I got the sign. Don't get too excited, you ain't coming to my home. I barely understand why my bitch leave me. Et salut à tous, c'est Zocian. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo assez spéciale. Donc ça va être une vidéo pour la première fois, enfin ce sera une vidéo sur un tournoi edit que je vais lancer. Donc dès que la vidéo elle sort, logiquement ça commence. Donc voilà, donc c'est un tournoi qui durera jusqu'au 20 juillet, donc un mois normalement, en gros à peu près un mois. Donc voilà, donc j'ai écrit quelques trucs, je vais vous les lire, voilà, vous présenter un petit peu et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch Zocian, parce qu'il y en a, ils disent Zocian, du coup je garde en tête. Donc Zocian et ma chaîne YouTube Zocian aussi, donc voilà, ça fera plaisir. Mon code créateur Zocian, il faut vraiment vous le mettez, vous allez comprendre par la suite, je vais expliquer. Mais vraiment, ça ferait plaisir si vous le mettez. Là au moment que je parle, on est à 24 soutiens, donc ça ferait énormément plaisir si vous le mettez. Voilà. Ensuite, pour les récompenses, ça sera par rapport à mon nombre de V-Bucks d'ici la fin du tournoi. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer après avoir lu ça. La moitié de mes V-Bucks sera pour les claviers souris et l'autre moitié pour les manettes. Donc en gros, par exemple, là j'ai 1500 V-Bucks. Si à la fin du tournoi j'ai, on va dire, 3000 ou 4000 V-Bucks, par exemple, si j'ai 3000, il y aura pour les manettes 1500 V-Bucks et pour les claviers souris 1500 V-Bucks. Donc, et si j'ai 4000, 2000 V-Bucks pour les claviers souris, 2000 V-Bucks pour le meilleur temps manette. Voilà, enfin, vous avez compris. Et donc, vous pourrez acheter pioche, skin, ce que vous voulez. Tant que c'est en tout, ça fera 2000 V-Bucks. Faut que ça fasse en tout. Donc, vous pouvez bien acheter 4 danses. Si par exemple, j'ai 4000 V-Bucks, donc divisé par 2, ça fait 2000. Si j'ai 4, si vous voulez 4 danses à 500, vous pouvez. Donc, voilà. Après, en titre de la vidéo, il faudra bien sûr mettre le hashtag ZozoEdit. Voilà, pour que je puisse retrouver votre vidéo. Donc, s'il n'y aura pas hashtag ZozoEdit, la vidéo ne sera pas comptée. Hein, vraiment, elle ne sera pas comptée. Après, vous pouvez toujours modifier le titre hein, quand vous la mettez sur YouTube, bien sûr. Donc voilà, hein, bien sûr, il faut que ça soit sur YouTube. Bon, là, j'ai marqué YouTube, là. Bon, on s'en fout. Voilà. Donc, on va passer à la présentation de la map. Enfin, présentation. Voilà. Hein. Donc, je vais mettre le chrono pour vous donner un petit avant-goût, on va dire, de la map par rapport à la vitesse où je vais aller. Je vais aller tranquille. Donc, voilà. Mon record, c'est 6,52. Donc en gros je pense la map sur manette par exemple on peut la faire en 2 minutes 30 et sur clavier souris je pense en 2 minutes, entre 2 minutes 30 et 2 minutes. Sans fail bien sûr. Donc let's go, on commence. Donc je vais y aller tranquillement, voilà. Hop. Donc il y a des moments où je me loupe, c'est pas grave. Donc vous avez bien compris, escalier mur edit. Donc vous faites comme vous voulez, tant que vous éditez l'escalier et le mur, je pense que vous pouvez faire comme ça, edit comme ça, je sais pas, comme vous voulez, edit comme ça, enfin n'importe, vous avez compris. Donc ensuite, tout simplement, des edits mur avec le chapeau qui gêne, ça entraîne pour les fan zones. Ça. Ensuite, 90, donc je me suis fake. 90, je vous conseille de faire des 90 infinis parce que si vous allez sur le côté et après un coup encore sur le côté, vous allez retrouver contre le mur. Donc restez bien au-dessus. Hop. Là par exemple, si vous arrivez là, vous faites ça, vous faites un petit dash comme ça, après comme ça. Donc là, c'est une initialisation de mur et de toit. Voilà, après petite descente. Donc, je vais la faire vite, ça c'est simple, descente. Donc bien sûr, il faut bien faire comme je dis, sinon la vidéo, enfin la vidéo, votre temps ne sera pas validé. Hein, si vous avez fait le world record sur la map, votre temps ne sera pas validé. Voilà, ensuite vous arrivez en bas, vous avez une petite infanterie en or, il y a 8 balles, il y a 8 blocs, donc il faut pas louper de balles. Voilà, ensuite edit sol, toit, mur. Donc il y en a 4 de, comme ça. Voilà, ensuite edit comme ça, donc vous pouvez bien faire, vous voyez là c'était comme ça, vous pouvez bien faire prendre là et faire ça comme ça. Prendre là et faire ça comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le temps en zigzag, voilà. Donc ensuite, deux edits comme ça, hop.
Ensuite là, edit chapeau, il faut bien que les deux soient edit. Vous aurez une erreur en mettant un toit comme ça. Voilà, une erreur, ça va en vrai. Donc je vous laisse juste une erreur. Voilà. Après, on va valider les trucs quand vous, sans faire exprès, vous faites comme ça, tu vois. Comme ça. On va dire le toit dans ce sens, c'est pas grave. On va le compter. Mais pas comme ça. Et pas comme ça. Vraiment, ou comme ça. Si vous vous loupez, bien sûr. Le mieux, ça serait comme ça. Ensuite, on continue. Hop. Donc, des fois, ça arrive de se louper. On se reprend. Ou alors, vous laissez tomber et vous passez. Mais s'il y a juste maximum une erreur. Faut qu'il y ait maximum une erreur. Voilà. Edit, voilà. Ensuite, on édite le toit, le sol et on réinitialise le chapeau en dessous. Encore réinitialise le chapeau en dessous. Là, il y aura deux chapeaux à réinitialiser, un là et un juste après. Ensuite, vous éditez, hop. Ensuite, là, il faut bien qu'il y ait les murs comme ça. Donc on avance, normal. Ok, désolé, je me suis fail. Voilà, on est dans le milieu, on est là. Bon, on va refaire, on va avancer, on va faire vite pour pas que la vidéo dure longtemps. Allez, hop. Donc vous allez avoir une erreur aussi si vous mettez pas un mur d'un côté. Voilà, hein, vous allez avoir une erreur, ça arrive. Ensuite, là, vous faites le carré comme ça. Donc bien, en fait, il faut bien que vous éditez les 4. Voilà. Vous avez le droit aussi à une erreur si vous voulez. Si à un moment vous éditez comme ça, vous avez le droit à une erreur. Mais faut vraiment, le but c'est bien d'éditer comme ça pour bien entraîner les gens qui. Enfin, parce que bien sûr, hein, c'est pas qu'une map où vous allez gagner du cash prize. Hein. Vous pouvez bien vous entraîner aussi. Donc là, montez normal. Vous pouvez faire comme vous voulez tant que vous montez. C'est le principal. Vous pouvez faire comme ça. Vous arrivez comme ça. Hop, comme ça. Vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Le moyen plus rapide, de toute façon, tout le monde le connaît. Alors. Ensuite, là, il y a pour le premier mur, toit, sol, mur, edit. Là, c'est pareil. Enfin, après, ça restera pareil tout le long. Voilà. Là, vous prenez le pompe en or. Les bottes, ils ont. Vous leur mettez une balle. Voilà. Vous rééditez bien le mur. Comme je le fais. Après, petite descente. Voilà, on édite. Et après, hop, sur le chrono. Donc là, j'ai fait 5 minutes 7. Voilà, mon record, comme je l'ai dit, c'est 6 minutes 52. Donc vous pouvez faire largement plus que 5 minutes, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, bon, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le code créateur. Parce que je l'ai pas dit, j'ai oublié en début de vidéo par rapport au code créateur. En gros, par rapport aux V-Bucks, donc plus 7 gens qui mettent le code créateur, logiquement, plus il y aura de V-Bucks, du coup, de meilleures récompenses. Parce que, attention, si par exemple j'ai 5000 V-Bucks, je fais gagner 2500 et 2500. Vraiment, je défonce tous mes V-Bucks. Hein. Donc, plus il y a de gens qui utilisent mon code créateur, mieux c'est et il y aura de meilleures récompenses. Hein. Donc, voilà. Donc moi je vous dis, peace les gens, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, à ma chaîne YouTube, likez la vidéo, partagez, au moins il y a plus de monde qui participe, parce que si vous êtes seul c'est pas marrant, voilà, si vous n'êtes pas beaucoup, il n'y a pas de, comment on dit, bon voilà, bref, hein, il n'y a pas de challenge, voilà, donc n'hésitez pas, voilà, à vous abonner, à rejoindre le Discord, à vous follow à mon Twitter, parce que je mets des clips en ce moment, si vous voulez voir, là j'en mettais tous les jours, mais je vais commencer à en mettre tous les deux jours, au moins il n'y en a pas trop. Donc voilà, et pour ceux qui se demanderaient les funimentes, j'en referai un peut-être la semaine prochaine parce que ça fait longtemps. Il me semble que ça fait un mois et demi presque. Donc voilà. Bon, moi je vous dis peace les gens, à la prochaine. Bye bye, ciao. Bonne vidéo et bonne chance à tous.